Bah voilà, je suis avec la petite Fort. Et elle a l'air de très très bien marcher. Alors je l'ai mis en essorage. En essorage, elle marche nickel. Là, je viens de mettre l'eau et tout ça. Je viens de lui mettre à 60 avec un peu d'acide citrique pour la nettoyer parce qu'elle pue la mort. Et là, l'eau chauffe très très bien. C'est un petit peu l'état dégueulasse avec les morceaux de. Parce que comme on peut voir, hein, putain, un petit peu de. Voilà. Je vois bien crade, là aussi. Les joues, on n'en parle pas. Voilà. Alors du coup là je la fais tourner à 60 pour vraiment bien la nettoyer parce qu'elle est dans un état dégueulasse. Comme vous pouvez le voir là. Un morceau de merde qu'il y a ici. Qu'on peut voir là. Mais elle marche très très bien. Elle marche très bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier. Là, je vais la faire vidanger. Parce que là, c'était, on va dire, un pré. J'ai mis un peu d'acide citrique sur le joint pour un petit peu le décaper. Là. Je vais la mettre en vidange et vous allez voir la gueule de l'eau. En fin de compte, juste bien. Juste bien bouché par la merde. Voilà pourquoi, en fin de compte, elle mettait en fait un code défaut, c'est parce qu'en fait, elle est ni plus ni moins bouchée. Par la merde qu'il y a dedans. Voici l'état dégueulasse d'insalubrité qui se passe. Ça me dégoûte. Et ça pue à mort.
complètement bouché par la merde. Faire juste une vidange pour essayer de la un petit peu de la déboucher. Une fois qu'elle s'est débouchée, c'est fini. Ah. Voilà, voici toute la merde qui peut s'accumuler dedans. C'est bien vos programmes rapides, j'espère que vous allez un petit peu changer c'est vos façons de, faire, parce que là c'est ni plus ni moins que horrible. Et je vous raconte pas l'odeur, comment c'est dégueulasse. Ça pue à mort. Ça, c'est vos restants de lessive et vos basses températures, les gars. Arrêtez vos conneries. Vidange. Voilà, complètement bouché. Pour déboucher, il y a une chose simple. Vous mettez un tuyau et vous soufflez dedans pour retirer déjà le plus gros. Et après, ce que ça va faire, tout va remonter et après, ça va vidanger normalement. Voilà ce que je conseille vous de, voilà ce que je peux vous conseiller de faire. Voilà pourquoi elle se met en code erreur. Tout simplement. Ce n'est ni une histoire de programme de chauffe ou quoi que ce soit, c'est ni plus ni moins qu'en fait, elle est engorgée de merde. Alors je vais déboucher et je vous reprends tout à l'heure.